Bonjour, je m'appelle Marcel Maroist. Je suis très heureux de voir que vous avez choisi de vous entraîner en cardio Thai-Box. Vous savez, si vous vous entraînez régulièrement de 3 à 5 fois par semaine, vous allez améliorer votre condition physique et par le fait même votre santé. Vous aurez de très, très bons résultats. Ce qui m'a amené à développer des techniques de cardio Thai-Box, ce sont mes 28 ans d'expérience dans le Taekwondo. Je me disais, ce serait intéressant de développer une technique qui rend les arts martiaux accessibles à tout le monde. Et le cardio Thai-Box, c'est pour vous. Alors, c'est un entraînement dans lequel vous allez pouvoir développer des techniques de défense, vous allez vous entraîner en même temps et vous allez vous amuser. Vous savez, quelques questions me sont posées comme « Est-ce que c'est facile de pratiquer le cardio Thai-Box? » C'est facile le Thai-Box. Je pratique le Thai-Box 2 fois par semaine. En pratiquant le cardio Thai-Box, vous allez utiliser de grands groupes musculaires. Vous allez augmenter votre fréquence cardiaque. Ainsi, vous allez améliorer à long terme votre capacité cardiaque. De plus, vous allez améliorer globalement votre condition physique et vous pourrez maintenir un poids santé idéal. Et qui peut pratiquer le cardio Thai-Box? Thai-Box, j'aimerais ça en faire souvent. J'aime donner des coups de pied, puis arrêter avec mon poing. Moi, comme adolescente, je ne savais pas trop quoi choisir comme sport. J'ai choisi le cardio Thai-Box, j'aime bien ça, ça me met en forme. C'est fou là. Alors oui, c'est accessible à tout le monde. Vous savez, avant de produire la vidéocassette Cardio Tae-Boxe, je me suis assuré de développer 3 niveaux différents d'entraînement progressif, ce qui fait que c'est accessible à tous. Alors, vous allez vous entraîner selon vos propres capacités et votre propre condition physique. Le Cardio Tae-Boxe peut aider au niveau du contrôle du poids dans le sens que c'est une dépense énergétique très élevée. Donc, on maintient notre métabolisme de base à un haut niveau et puis on va brûler plus de calories pendant, bien sûr, mais aussi après parce que notre métabolisme de base demeure plus élevé. L'entraînement Cardio Tae-Boxe, c'est stimulant parce que, bon, c'est un entraînement qui est beaucoup plus intense. Puis, on peut aussi aller chercher de la satisfaction personnelle par rapport aux techniques de défense qu'on apprend. C'est incroyable, c'est super hot comme entraînement. Veuillez écouter attentivement ces recommandations. Vous devez consulter un médecin avant d'entreprendre tout nouveau programme d'entraînement. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à la maison. Vous devez toujours faire la période d'échauffement avant de commencer votre période d'entraînement. Répétez régulièrement le mécanisme des mouvements afin de maîtriser les techniques, ce qui diminuera le risque de blessure. Gardez la position d'étirement de 20 à 30 secondes pour chaque exercice. Entraînez-vous de 3 à 5 fois par semaine pour obtenir de meilleurs résultats. Assurez-vous de porter des chaussures adéquates. Portez des vêtements confortables et qui permettent à votre corps de respirer. Travaillez à votre rythme et arrêtez si vous sentez un malaise. Buvez régulièrement durant l'entraînement. Vérifiez votre intensité durant l'entraînement. Assurez-vous d'être continuellement capable de parler en vous exerçant. Faites les niveaux d'entraînement dans lesquels vous vous sentez bien. Vous devez toujours faire le bloc retour au calme, musculation et étirement à la fin de chacune de vos périodes d'entraînement. Ne lâchez surtout pas, soyez persévérant et vous aurez de très bons résultats. Et surtout, ayez beaucoup de plaisir. Alors bon, assez parlé, j'imagine que vous êtes impatient de commencer votre premier entraînement, nous aussi. Alors en place tout le monde, bon entraînement. Premier bloc, les différents mouvements et leurs mécanismes. On salue, Kyongye. La première position qu'on va voir, c'est la position étroite. Les jambes environ largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Ça va? Alors, tout le monde en place. Avec cette position ici, on va faire plusieurs fois les coups de poing. Position large maintenant. On écarte. Environ 1,5 fois la largeur des épaules. On plie légèrement nos genoux. Également une position dans laquelle on va faire des coups de poing et des blocages. La position de combat maintenant. Position de combat de face. Largeur et demie d'épaule. Le pied en avant légèrement tourné, environ 15 degrés. Le pied arrière également tourné vers l'avant. Assurez-vous que votre pied n'est pas du tout tourné vers l'arrière. L'angle du corps, environ 45 degrés. La position de garde qui va avec maintenant. Les coudes très près du corps, les mains près du menton. Les paumes de main vers l'extérieur. La même position. De côté. On la prend. Même position. Donc, une largeur et demie d'épaule. Le pied arrière légèrement tourné vers l'avant. Même chose pour le pied avant. La garde, les coudes près du corps. Ça va? Le premier coup de poing maintenant. Le jab. Tout le monde en place? Le jab, les coudes près du corps. La main avant frappe. On allonge. Rotation seulement au dernier moment. Faites attention à l'hyperextension au niveau du coude. Et on ramène. On le fait ensemble tout le monde. Pour un, jab. La paume est vers le plancher. On ramène. Jab. On doit faire également attention à ne pas casser le poignet, ni vers le haut, ni vers l'intérieur. Assurez-vous d'être droit ici et là. Et on ramène. Une autre fois. Jab. Ça va direct maintenant. Main arrière. On pivote les épaules, pivote les hanches, tourne le pied sur le bout du pied et on allonge le poing, encore une fois, paume vers le bas. Rotation seulement au dernier moment. On revient. On le fait une autre fois. Un. Et on revient. Une autre fois. Un. On tourne comme il faut et on revient. Dernière fois. Un. Et on revient. Le crochet maintenant. La main avant. La fin du mouvement, le bras paume vers moi. On frappe avec les jointures. Le bras est parallèle au plancher. Rotation du genou, de la hanche, le pied sur le bout des orteils. Et on revient. Un. On revient. Un. On revient. Une autre fois. Un. On revient. Uppercut, coup de poing soulevé. Flexion de jambe, c'est la main arrière qu'on va utiliser. On relève et on lance le poing. Paume vers le visage. Position. On descend. Un, relève. Frappe. On se sert de la flexion de jambe pour développer la puissance. On y va. Un. On frappe. Une autre fois. Un. On revient. Dernière fois. Un. Position. De face maintenant. On se place tout le monde en position de face. Largeur et demie d'épaule environ. Position de garde. On refait le crochet et l'uppercut, mais de face. On commence avec la main gauche ici. Crochet. On le fait ensemble. Un. Une autre fois. Un. Encore. Un. Et on revient. Vous devez vraiment faire attention de ne pas placer votre main comme ceci. Bien paume vers le visage. On le fait de l'autre côté. Un. Rotation des hanches, du genou. On termine avec le bout du pied. Un. Une autre fois. Un. Uppercut maintenant. Main gauche. Flexion. On lève et on frappe. Ensemble. Un. Une autre fois. Un. Encore. Un. L'autre côté. Ici. Un. Ensemble. Un. Une autre fois. Un. On garde la même position. Large. Rotation du bassin parce qu'on frappe coup de poing. Pivot. Un. On le fait ensemble. Un. Un. Pivotez votre pied au sol. Un. Même chose de l'autre côté. Un. Prêt à frapper coup de poing. Un. Dernière fois. Un. Position étroite. Même rotation. Légère flexion des genoux. La garde. On pivote ici. Un. On y va ensemble. Un. Prêt à frapper. Un. Un. Même chose de l'autre côté. Un. Un. Même chose. Un. On garde la même position. On travaille les esquives. On part avec une flexion des jambes. On baisse le corps dans un demi-cercle. Même chose de l'autre côté. On le fait ensemble. Un. L'autre côté. Un. Une autre fois. Un. Une autre fois. Un. Un quart, un. Et l'autre côté, un. On allonge la position pour la position large. Toujours la même position des mains. On fait la même chose, l'esquive. Un. L'autre côté, un. Assurez-vous de voir devant ce qui se passe. Un. On ne baisse pas les yeux. Un. Une autre fois, un. Même chose, un. On garde la même position, le coup de poing de face maintenant. On part d'ici directement et on ramène. On y va ensemble. Un. L'autre main. Un. Même chose. Un. Encore. Un. Une autre fois. Un. L'autre côté. Un. On peut le faire maintenant avec la rotation. Un. L'autre côté. Un. On pivote. Un. L'autre côté. Un. Encore. Un. Dernière fois. Un. L'autre côté. Un. On prend maintenant la position de combat. En position, le blocage bas. À partir d'ici, vous descendez vers le bas, tout près de votre cuisse. Gardez une légère flexion du coude. On ne casse pas le poignet et on revient. Un. On ramène. Un. Un. On peut le faire avec l'autre bras et rotation du corps. Un. Un. Encore un. Bloc moyen fermé. Un. Un. La paume vers le visage. Un. L'autre bras. Un. 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 Le même blocage, mais ouvert. Cette fois-ci, la main, au lieu d'être paume vers moi, elle est paume vers l'extérieur. On y va ensemble. Un. 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 L'autre main. Un. 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 Le blocage haut maintenant. On lève. Pas trop haut. Légèrement au-dessus de la tête. Et on revient. Un. Un. Une autre fois. Un. L'autre bras. Un. 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 Et on se place de face maintenant. Pour les levées de genoux, on commence avec la jambe gauche, le lever de face. On peut prendre la position ici, ou les mains sur les hanches. Nous, on le fait avec la garde. On lève le genou directement de face, ensemble. Un. Un. On peut également s'aider avec les bras. On tire. Un. Encore. Un. L'autre côté, sans tirer avec les bras, la garde. Un. Lève. Une autre fois. Un. On tire. Un. Tire. Un. De côté maintenant, on lève lentement et on tire avec le bras ici. On le fait ensemble. Un. Un. Une autre fois. Un. L'autre côté. Un. 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 De l'autre côté maintenant, pour le lever de genou, pour le coup de pied de côté. On lève en pivotant notre pied au sol. Vous soulevez le genou, le pied en ligne droite avec le genou, jamais comme ça ici. Et on revient, on le fait ensemble. Position. Un. Lève. Penchez votre corps légèrement. Un. On regarde vers où on va frapper. Un. On le fait une dernière fois. Un. L'autre côté. Même chose. Un. N'oubliez pas de pivoter votre pied. Un. Un. Dernière fois. Un. Vous pouvez également vous appuyer sur une chaise. On le fait en rond maintenant, le coup de pied circulaire. On tourne également le pied. Plutôt que d'avoir le genou près de moi, vous avez le genou ouvert, le talon dans votre fesse. On le fait ensemble, lentement. Un. 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 Dernière fois. Un. L'autre côté, même chose. Un. 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 Levez le genou arrière maintenant. On lève ici, prêt à frapper vers l'arrière. Ensemble. Un. On penche le corps vers l'avant. Une autre fois. Un. Un. Dernière fois. Un. L'autre côté. Un. 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 Dernière fois. Un. Levez avant pour faire le coup de pied avant maintenant. Le hap-chegi. On lève le genou à un certain niveau, on allonge, on ramène et on dépose. Votre pied doit être pointé. Orteil pointé, pied pointé, orteil retroussé. Et on ramène. On le fait ensemble. Un. L'autre jambe. Un. Encore. Un. 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 L'autre côté. Un. Le coup de pied de côté maintenant. On pivote le pied en levant. On lève, on allonge, on ramène et on dépose. On le fait ensemble. Un. 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 L'autre côté. Un. 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 Le coup de pied en rond. On pivote également le pied. Un. 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 Dernière fois. Un. L'autre côté. Un. 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 Dernière fois. Un. Le coup de pied arrière. Un. L'autre jambe. Un. 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 Dernière fois. Un. L'autre jambe. Un. On recule en position de combat pour le coup de pied croissant. Ici. On le fait ensemble. Un. On revient. Un. Un. Dernière fois. Un. L'autre jambe. Un. 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 Dernière fois. Un. On revient. L'autre position de combat. Le coup de pied de marteau. Le coup de pied descendant. On le fait ensemble. Un. 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 Dernière fois. Un. L'autre jambe. On y va. Un. 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 Dernière fois. Un. On se replace en position de face. Presque debout. On fait le coup de pied crochet. Pivote. On lève comme le coup de pied de côté. On allonge et on ramène le talon dans la fesse. On y va ensemble. Un. 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 L'autre côté. Un. 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 Alors, on a maintenant fait le tour de toutes les techniques qu'on va faire durant la cassette. On se revoit tout à l'heure. On salue. Ciao. Kyongye. Deuxième bloc, la période d'échauffement. 4, 3, 2, marchez. Alors nous voici rendus dans la phase échauffement que je vous conseille de faire avant chaque entraînement. Il y a Marie-Andrée qui est ici pour diriger cet entraînement. Alors on marche. Quatre, trois, marchez large. Alors, on active la circulation sanguine dans le but d'être capable de faire quelque chose d'un peu plus intense tout à l'heure dans les blocs cardio. Tapez du pied dans 4, 3, 2, on tape. Alors, on travaille les jambiers antérieurs, le devant de la jambe. Transition simple, 3, 2, gauche-droite. Alors, on prend la position de garde. On commence à activer un petit peu plus. Ça ressemble un peu plus à ce qu'on va faire tout à l'heure dans les positions de combat latérales. 3, 2, marchez. 4, 3, marchez large. J'espère que ça va bien. Ça va bien, vous autres, ici? 3, c'est là. Tapez du pied. Alors, il va graduellement. Si jamais c'est trop rapide, vous ralentissez. 5. 4, 3, marchez, dernière fois. Ça va bien à la maison? On lâche pas. Marche large. 4, 3, tapez du pied. 4, 3, côté, côté. Alors là, Marcel, on va s'en aller pour le déplacement de côté. Tout à fait. Dans 4, 3, 2, là. 1, allonge, ramène, recule. 1, allonge, on ramène les mêmes positions de combat, recule. 2 autres là. N'oubliez pas que ce n'est pas la position de combat officielle parce que vos pieds sont les deux parallèles. Tempo lent sur 4. On reste. Et reste. Ramène. Et reste. C'est le pas chassé. Pas bien. Dernier comme ça. Tempo, let's go. Ha, ha. Quand vous entendez tempo, ça veut dire qu'on va un peu plus vite. Si vous n'êtes pas capable, vous continuez encore lentement. 4, 3, lâche 2, pas. Marchez, jambe droite. C'est bon. J'espère que vous avez de la facilité à changer de côté parce qu'on va le faire souvent durant l'entraînement. 4, 3, 2, marchez là. Ha. Allez, Marie-Josée. Marie-Josée. Marie-Andrée. Ça fait 25 fois que je dis Marie-Josée aujourd'hui. Appelle-moi. Appelle-moi Georges. 4, 3, transition simple, à droite. Allez. Un peu d'attitude là-dedans. On commence à être un peu plus échauffé. Si ça va bien, on peut même bouger un peu les hanches. C'est bon. 4, 3, marchez, jambe droite. Allez, on lâche pas. C'est tranquille derrière, là. 3, 2, on ouvre. Allez. Ils sont pas encore assez échauffés. Non, ça s'en vient. 4, 3, tapez du pied. Allez. Allez, Marie-Andrée. Allez. 4, un peu de feeling. 3, transition simple. La garde. 4, 3, dernière fois, on marche. N'oubliez pas, avant chaque bloc, 3, 2, si vous décidez de faire l'échauffement et de sauter directement au bloc 2, il faut toujours le faire, cet échauffement-là. Vous pouvez passer du bloc 1 au bloc 3 si vous voulez, par exemple. N'oubliez jamais l'étirement et l'échauffement. Ça va sur le côté pour le déplacement 5, 4, 3. On va rester ici un peu. Dans 4, 3, déplacement 5. Lentement. 1, 2, 3. 2 autres là. Vous allez voir qu'on va faire souvent ce déplacement-là dans les blocs cardio. Tempo sur 4. Et reste. Excusez-moi. Et reste. On y va. Et reste. Alors, si vous vous trompez, c'est pas grave. On peut le faire nous aussi. Et reste. Le pas chassé. Let's go. On y va. Si c'est trop rapide, gardez le rythme de celui qu'on a fait tout de suite avant. 3, 2. Allez, allez. Et on reste à la position combat. On étire l'adducteur gauche. Descendez lentement. Dans 4, 3, 2, les biceps. Squeeze et down. Ha. On regarde la position, les deux pieds sont droits. Descendez pas trop bas. C'est bon. 4 autres biceps. Squeeze. Allez. 3, 2. On se place pour étirer le mollet. Avec les épaules. 3, 2. On lève les épaules. Ha. Votre pied droit. Avant est bien droit. Et le pied arrière pour étirer le mollet. Ou le jumeau doit être droit également. Dernier 4. 4. Qu'est-ce qu'on va étirer ensuite? On est rendu au psoas. C'est une bascule du bassin. Descend. Vous avez le bout du pied. On bascule légèrement le bassin. 2. On lève. Allez, pas trop. C'est bon, Marie-Andrée? Oui. On n'est pas très jolis, par exemple. On a l'air des canards, hein? Différent, hein? Si on part à voler, ça va être un peu spécial, mais jusque-là, ça va. deux autres comme ça. C'est trop difficile, vous arrêtez, n'est-ce pas? Bascule pour l'ischio. On ramène, reculez, votre pied arrière est assez droit, votre jambe devant est allongée. Triceps. Pousse, pousse. On garde la position de 20 à 30 secondes. Assurez-vous que votre jambe est presque en extension. Si c'est trop facile, on descend légèrement plus bas. Bon. Dernier 4, 4. Ensuite, on va joindre les pieds ensemble. Marchez, jambe droite. Ça va bien. On va faire de l'autre côté. Encore plus vite. Vous êtes prêts? On va se tourner et on va se passer pour l'autre côté. 3. On étire l'adducteur droit. Vous connaissez l'importance des étirements? Avant l'entraînement, c'est bien important. Et après l'entraînement. Ça va bien? Force. Contraire. Squeeze, comme tu dis, Marie-Andrée. On serre. Squeeze. Force. Allez. Allez. Dernier 4. Bon. 4. 3. 2. On va tourner. On s'installe pour le mollet. On place les bras pour les épaules. Sur le genou avant si vous n'êtes pas à l'aise. Lève pour les épaules. Le pied arrière est bien droit. On lève pas trop haut. Dernier 4. 4. Faire le psoas après. 3. 2. 1. On bascule le bassin. J'espère que ça va bien parce que pour nous, on commence à être échauffé. Gardez une position. On bascule le bassin. Ah! Excusez-moi. On va-t-il être prête pour faire des punches, des jabs, des directs après ça? On devrait. Penses-tu? On va être bien échauffé en tout cas. Vos épaules sont bien échauffées également. Hop. Vous pouvez suivre le beat un peu si vous voulez. Hein? Dernier 4. On garde la position. 3, 2, on bascule pour l'ischio-jambier. On ramène, on dépose, le pied surélevé. 4. On peut prendre appui si c'est trop difficile. Triceps. On fait le triceps. Oh. Gardez la position de 20 à 30 secondes. Il nous en reste juste 4. Pas bien. Et après ça, je pense qu'on est vraiment prêts. 2, marcher, jambe droite. Pas bien. On va se préparer pour un premier bloc cardio. Alors, un peu plus de technique. On va faire un parfait mélange de certaines techniques qu'on vous a montrées dans la partie mécanisme de mouvement. Troisième bloc, l'entraînement cardiovasculaire de niveau 1. Attention, cheerio! Nous sommes maintenant au niveau 1, le premier niveau de cardiovasculaire. Alors, il est primordial et essentiel d'avoir fait l'échauffement avant et également d'avoir vu tous les mécanismes de mouvement parce qu'on ne répète pas l'enseignement. On vous montre le mouvement et on le fait. Alors, on se place en position tout le monde. Combat. Le mouvement qu'on va faire, c'est le direct ici d'un côté, alterné de l'autre côté. Et quand vous êtes prêts, on y va. 3, 2, direct. Lent. 1. On commence lentement et on va vous le faire un petit peu plus vite après. Lentement, n'oubliez pas de tourner votre main. Encore. Tempo. On commence lentement, graduellement. Le direct. On va prendre ensuite une position de combat que vous connaissez, n'est-ce pas? 4, 3, 2, on marche. En position de combat maintenant, ici. 4, pour le jab, 3, on allonge, vous poussez légèrement sur la jambe arrière et on ramène. Jambe arrière et on ramène. Là. Frappe. 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 4 autres là. Frappe. 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 Tempo! Plus vite. N'oubliez pas de rentrer vos coudes et de tourner votre main au dernier moment. On met pas de puissance encore. On augmente graduellement. Enseignement du direct. On tourne maintenant avec le direct. 4, ici, 3, 2, et on ramène. Là. N'oubliez pas de tourner votre pied et vos hanches. Tempo. Allez, direct. Enseignement du crochet. Le prochain mouvement, le crochet. On part de la position de combat. Quand ça va bien, vous suivez le groupe derrière, sinon, vous commencez avec moi. Crochet d'un côté. Tourne le pied et la hanche. Tempo. Allez, on ne lâche pas. Allez. Le crochet. Enseignement du uppercut. Prochain mouvement, le coup de poing soulevé. L'uppercut, on part d'ici. Flexion de jambe et on frappe. Uppercut, là. Allez, on lâche pas. Coup de poing en dessous du menton. On va faire ensuite un enchaînement. Allez, on lâche pas. Attention, on prend la position pour le jab. Direct. Crochet. Uppercut. Jab. Direct. Crochet. Uppercut. Jab. Sans force pour commencer. Et ensuite, on va mettre la puissance. Tourne, lève, un, tourne. Même tempo, puissance. Ça va bien ça? On lâche pas. Deux autres. Tempo. Et un, deux, trois. On compte. Tout le 7, 9. 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 On lâche pas. Attention, marche. Ça va bien. On a le coup à faire. On commence par le jab. On va prendre la position de combat. Ici pour le jab. Combat. C'est prêt? On va y aller. Jab. 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 Sans puissance. Jab. Allez. On va mettre un peu plus de puissance ensuite. C'est le premier niveau. Tempo. On commence lentement. Frappe. On pousse légèrement vers l'avant. Tournez votre poing seulement à la fin. Ça va bien? J'espère que ça va bien à la maison. Prenez le temps qu'il faut. Si ça va trop vite, vous ralentissez. N'oubliez pas l'importance, c'est de réussir un niveau pour passer au suivant. On va faire le coup de poing direct maintenant. On part d'ici et on pivote. Direct là. N'oubliez pas de suivre le groupe derrière si ça va bien. Sinon, vous regardez ici au début du mouvement. Tempo. Frappe. Tourne. 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 On peut commencer à mettre un peu plus d'intensité. Allez. On lâche pas. Crochet là. On va faire le crochet. Position ici. Pivote. Crochet là. Crochet. 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 Tempo dans 4. Allez. Tempo. Frappe. Crochet. Allez, on lâche pas. Il reste un mouvement et ensuite on fait l'enchaînement. Crochet. Uppercut là. Attention pour le prochain mouvement. Uppercut. Uppercut. coup de poing en dessous du menton. Tempo dans 4. Tempo. Allez. On va faire l'enchaînement des 4 mouvements et ce sera le dernier enchaînement. Et on va passer au prochain niveau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Même tempo, puissance. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tempo dans 2. 2, 3, 4. 1, 2. On lâche pas. Tempo. Allez. 3, 2, 3. C'est le dernier mouvement, on lâche pas. Lâchez pas la maison, c'est le dernier. On passe au prochain niveau ensuite. Et on va saluer. Attention, Douman. Cheerio. Kyong. Quatrième bloc. L'entraînement cardiovasculaire de niveau 2. Attention, cheerio. Nous sommes maintenant rendus au niveau 2. Alors, si vous avez fait le niveau 1 et que ça va bien, vous continuez. Si vous arrivez au niveau 2 tout de suite, vous devez avoir fait l'échauffement avant et les étirements. Je vous rappelle que durant l'entraînement, si vous voulez faire un contrôle d'intensité, vous pouvez vous arrêter et le faire au niveau de votre fréquence cardiaque, au poignet ou au cou. Mais je vous conseille beaucoup plus le contrôle d'intensité selon l'échelle Borg, c'est-à-dire vous devez être capable de parler durant l'entraînement. Sinon, vous vous arrêtez ou vous ralentissez un petit peu. Ça va, on y va. Genoux lents. Et on va se placer en position de face, que vous connaissez, les genoux légèrement pliés. Et on va lever directement le genou de face avec puissance. Lève, ça va bien? Lève, lève. C'est beau. On lève et on tire et on alterne. Un, l'autre côté. Tire, on met un peu de puissance. Tire. Ah. On peut garder les mains en garde ou tirer avec nos mains. Tire. Tempo. Plus vite. Allez, on tire. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire avec les pieds au sol, sans sautiller. On va commencer coup de pied avant. On se place ici. Quand ça va bien, vous continuez avec le groupe derrière. Et on fait le coup de pied avant d'un côté. On alterne de l'autre. On commence sans puissance. Puissant. Ow! 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 Dernier. Ow! Ow! Les gens continuent derrière. On va lever le genou de côté. Notre pied bien tourné. Et on lève. On pivote le pied. Et on lève l'autre côté. Lève. Tournez votre pied au sol. Si vous êtes sur le tapis, soyez encore plus prudent. On va faire ensuite le coup de pied de côté. Seulement allongé. Frappe. Coup de pied dans 4. Frappe. Frappe. Coup de pied. Et on y va. Frappe. Si vous êtes habitué, on peut lever un peu plus haut. Sinon, on le fait plus bas. On peut mettre de la puissance ou un peu moins. Puissant, pas vite. Frappe. Ow! 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 Transition douce. Ow! Ça va bien? J'espère que vous vous sentez un peu plus échauffé. On va bouger encore un peu plus. Genou kick. On va lever. Le coup de pied avant, ici, lève directement. On va dans 4, 3, lève de côté. 2, stable. On va lever le coup de pied avant, lève de côté. 4, ça va bien? C'est parti. Kick devant, genou, côté. Lève. Kick. Lève. Kick. Lève. Kick. kick dans 4. Kick. Lève, on va ajouter le coup de pied de côté. Dans 2. Celui-ci. Frappe. Kick. Kick. On y kick. Va. Frappe. Kick. Ow! 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 4. Ow! 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 2 autres. Ow! 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 Transition double. Ow! Ah bien! Même chose de l'autre côté. J'espère que vous êtes en forme à la maison, parce qu'ici, on l'est. Et tout ce qu'on veut, c'est que vous travaillez votre condition physique pour améliorer votre santé. On fait pareil de l'autre côté avec le coup de pied avant. Lève le genou. Coup de pied avant. Lève le genou. Hop. Coup de pied avant. Lève. Kick. Lève. Kick. Lève. N'oubliez pas de tourner votre pied au sol. Ici. Lève. Kick. Lève. Kick. Lève. Kick dans 4. Kick. Préparez-vous. On va faire le coup de pied de côté. Dans 2. Kick. Lève. Kick. Et c'est parti. Bientôt, on va allonger la jambe. Kick. Frappe. Kick. Frappe. Kick. Ow. Dernier 4. Allez. Ow. Hey. Ow. 2 autres. Hey. Ow. Hey. Attention. Ow. C'est bien. Ça va bien derrière. Excellent. Punch en rond. Regardez bien le prochain mouvement. On va se placer de face. Tranquillement pour 1. En angle. Stable. Angle. Côté. Stable. Retour au même niveau. Ici. Pivote. 4, 3. Et ramène. 2, on va aller plus vite. 1. Frappe. 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 On reste ici. Frappe. Le jab. En angle. Ici. Tempo. 1. Ow! On lâche pas. Toul. C'est. Né. Hana. Toul. C'est. Né. Hana. Toul. C'est. 2 autres. Hana. Toul. C'est. Né. Hana. Toul. C'est. Dernier. Hana. Toul. C'est. Né. Hana. Toul. C'est. Ah bien! J'espère que vous avez de la place dans votre salon. Sinon, descendez au sol ou tassez vos meubles. Stable 4. Vous êtes prêts pour l'autre côté? 2. Même chose. Ici pour 1, 2, 3 et 4. Retour, angle, ici et là. Frappe. Tempo! Ow! Hana! Deux! C'est! Né! Hana! Deux! C'est! Né! Hana! Deux! C'est! Deux autres! Hana! Deux! C'est! Né! Hana! Deux! C'est! Né! Hana! Deux! C'est! Né! Hana! Deux! C'est! Né! C'est bon! Ça va bien derrière. C'est là. Julio. Combien? Cinquième bloc. L'entraînement cardiovasculaire de niveau 3. Julio. Combien? Nous sommes maintenant rendus au niveau 3. On vous demande encore une fois d'avoir fait l'échauffement et les étirements avant de vous joindre à nous et surtout avant de prendre un niveau aussi élevé. Alors, vous êtes prêts? En place. Alors, si vous voulez brûler des calories, Cardio Tae Boxe, c'est pour vous. Premier mouvement. On se place de face. Lève le genou. Sur le tempo et frappe. Coup de poing. Même genou. Stable. Et l'autre. Vous êtes prêts? En place. Gauche. 1. Punch droite. Droite. Lève. Punch gauche. Gauche. Tire. Bonne droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Allez, on lâche pas. 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, on tire, 1, 2, 7, dernier 4. Allez. 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, on va faire un prochain mouvement. On va lever de côté, directement ici. 1, 2, 3. On tourne. Et on revient. 1, 2, 3. 3 genoux gauche. 5, 6, 7, 8. Regardez bien. Punch gauche. Genou droit. 1. Tire. Droite. Genou gauche. 1. Genou droite. Tire. Pow. Genou gauche. Pow. Genou droite. Tire. Tire. Allez. On lâche pas. Genou gauche. Dernier 4. Pow. Genou droite. Genou gauche. Allez, on lâche pas. Ça va bien. Genou droit, dernière fois. On va faire une transition. Transition double. Ça va bien. Kick. Durant le temps de la transition, prochain mouvement. Position de combat. On marche. Coup de pied avant. Retour. Jab, direct, crochet, uppercut. Va bien? Vous connaissez ça. On y va, lent. Lentement. Kick. Ramène. 1, 2, 3, 4. Marche. Kick. Ramène. 1, 2, 3. Tempo. 4. Ha. Kick. Ha. Kick. Ha. Kick. 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 Ha. Hey. Kick. Ow. Kick! Kick! Allez, allez, allez! Kick! Allez! Kick! Kick! Dernier quart! Kick! 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 Transition double! Dans les transitions, vous en profitez pour relaxer. Si c'est trop difficile, vous vous arrêtez, vous allez prendre une gorgée d'eau et vous revenez. Combat dans le On va le faire de l'autre côté. En position. Combat. Marche, frappe, retourne, jab, direct, crochet, uppercut. 4, combien? 3, 2, lentement. 3, lent. Kick. 1. Tempo, let's go. Ha. Kick. Ha. Woo. Kick. Ha. Kick. 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 Dernier 4. Kick. Ha! Kick! Ha! Allez, on lâche pas! 2! Ha! Kick! Traction droite! C'est le temps de relaxer un petit peu. On va terminer avec une position large. Les mains ici. Pour uppercut. Devant. Uppercut. 45. Position. Uppercut lent. Ha! Commence lentement. N'oubliez pas, on ne tourne pas trop derrière. comme ça ici. 3, sur le côté. 45 degrés. Tournez vos pieds et vos hanches. Tourne. Tourne. 3, de face. Allez, on lâche pas. 4, 3, 2, côté. Tourne. Allez, on lâche pas. Uppercut. Côté. Attention, on va y aller tempo. En dessous du menton. 4, 3, tempo pour 8 partout. Ha, ha. Côté. Ha, ha. Tourne. D'espace. Allez. Travaillez vos épaules un peu. Côté. Ha. D'espace. Allez. Tourne. On lâche pas. Côté. Ha. Je sais pas si vous savez ce qui s'en vient. Mais c'est la mitraille. Côté. Dernière fois, on va revenir ensuite devant. De face. Et on continue avec la mitraille. Vous êtes prêts, Marie-Andrée? 4, 3, 2, allez, on lâche pas. Mitraille! On lâche pas. Allez, on court. N'oubliez pas que vous êtes au niveau 3. On pousse davantage. On pousse. Allez, 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 allez. Pousse. Allez, 4, encore. 3, allez. Transition double. C'est bon. J'espère que vous êtes comme nous, vous êtes essoufflés un petit peu, vous avez chaud, vous êtes en forme. On relance tranquillement. Debout, on relaxe un petit peu. Et on va saluer. Come on! Cheerio! Gagné! Le sixième et dernier bloc, le retour au calme, la musculation et les étirements. Le retour au calme. On va bien respirer, on va faire quelques exercices de musculation et des étirements. Peu importe quel niveau vous avez complété, quand vous avez terminé votre entraînement, vous devez faire un retour au calme et des étirements. On y va. Allez, Madeleine. On va enchaîner avec 3 pas croisés, esquive 6 fois dans 4. 3 pas, esquive pour 6. 4. Même chose, esquive. On respire bien. 3 pas croisés, esquive 2 fois seulement. Même chose. 2 derniers. Dernière fois. Restez là et on respire. On respire bien. Croisez vos mains. Et on expire. On inspire. Et on expire. Deuxième fois. On inspire. Et on expire. Ça va au sol. Push-up. Position pour les pompes. Certains d'entre nous vont faire les pompes, les genoux au sol. D'autres, les jambes en extension. Assurez-vous d'avoir vos mains en ligne droite avec vos épaules. 2, en 2 temps. 2. Quand vous faites les pompes, assurez-vous de bien contracter l'abdomen pour garder votre dos bien, bien droit. C'est bon. 3. Si c'est trop difficile, vous en faites un peu moins à la maison. 2. Un autre à ce rythme-là. 8 derniers en 5. Et 8. On respire bien. 4 derniers. Pour 2, stabilisateurs. On travaille maintenant les stabilisateurs du tronc. Vos coudes sont en ligne droite avec vos épaules, vos avant-bras bien appuyés au sol, les genoux au sol ou les genoux surélevés. On contracte également beaucoup l'abdomen, on tient le dos droit. et on garde la position. Vous pouvez voir derrière qu'il y en a qui le font, les genoux au sol. Encore 4, 3, 2, repos. Déposez vos genoux au sol, relaxez un peu. Et on remonte maintenant. Position pour une deuxième séquence. Encore 4, 3, 2, relâche. Sur le dos, crunch. On travaille maintenant l'abdomen. 3, 2, montant, 2 temps. Hop. Gardez vos pieds bien au sol. Les genoux en flexion, les mains de chaque côté de la tête. 2 autres. En un temps, c'est parti. Hop. Quatre autres. 4, 3. Assurez-vous, quand vous faites des crunchs, en deux temps, de basculer légèrement le bassin pour appuyer les vertèbres lombaires au sol et de ne pas trop tirer sur votre tête. C'est bien. Et en 5, c'est parti. 8, 7. On respire bien. 5. Encore 4, 3. Repos, étirement. Jambe gauche. On soulève une jambe pour les étirements. Vous gardez l'autre jambe au sol. On baisse le pied. On tient derrière le genou. Et on garde la position de 20 à 30 secondes. Tirez les orteils. Tirez vos orteils. Croise la jambe, viens chercher en dessous. Croisez votre jambe, soulevez l'autre jambe et on vient chercher derrière le genou et on appuie. On garde la position de 20 à 30 secondes encore une fois. Les deux jambes. Ramenez vos deux jambes, tirez. Et relaxer. On garde la position. Encore 4, 3, on allonge la jambe droite et hop. On dépose une jambe au sol. On soulève l'autre jambe. Et on vient tirer. Ça tire, Marcel? Ça tire? Ça tire? C'est bien. Il n'est pas important d'aller très loin. L'important, c'est de garder la tension de 20 à 30 secondes. On le sent bien dans le mollet, quand on tire bien les orteils. Croisez la jambe. T'es quand même assez souple, toi, Madeleine, hein, je crois. Hein? Assez, oui. Oh, bien. On tire. Pour conserver ça, il faut s'étirer par contre. Il ne faut pas négliger cette partie-là, même si des fois ça nous tente. Oui, c'est souvent la partie qu'on veut oublier dans l'entraînement. Exact. On va se soulever à l'aide d'une jambe. On monte. Hop. On va s'asseoir face. On va étirer l'intérieur des cuisses. Les deux pieds ensemble. Gardez le dos droit. On y va. Penche devant. Vous gardez toujours la position au minimum de 20 à 30 secondes. Le but non plus, c'est pas d'aller toucher le nez, mais bien de garder le dos droit. Hein? Ça va quand même bien pour toi. Hein? Non, c'est pas pire. On va étirer le dos, les mains ensemble. Ça, ça fait du bien. On a utilisé beaucoup le dos. Hein. Oui, avec les coups de poing, hein. Faut faire attention, justement. Pour pour 4, 3, 2 derrière, pectoraux. Assurez-vous de bien tirer. Gardez votre dos droit également. Ça va bien tout le monde? Ça fait du bien ça quand même. Hein? Alors vous allez voir, si vous prenez l'habitude à les faire, vous allez toujours vouloir les faire. Pour 4, 3, 2, on va de côté. Vous pouvez vous asseoir pour être confortable en indien ou... On s'appuie au sol et on laisse tomber. Un petit peu plus loin. On va ramener, on va tirer sur la tête légèrement, très léger. J'espère que ça vous fait autant de bien qu'à nous. Pas de l'autre côté. On s'appuie. C'est excellent. Avec la tête, léger. Et on va terminer. On se tire sur les jambes, Marcel. On va aller tirer le dos, donc on se laisse aller vers l'arrière pour un bon appui devant. Ce sera notre dernier exercice. On va faire le salut tout de suite après. Excellent. 3, 2, on peut monter. Et on se lève pour le salut. Attention, tout le monde est à la maison. Cheerio. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez réussi à compléter les 3 blocs de la cassette numéro 1, la cassette de niveau débutant et intermédiaire. Je vous remercie d'avoir travaillé fort. Lâchez pas. J'espère que vous allez travailler de 3 à 5 fois par semaine, cet entraînement-là. Et nous, on va se préparer pour une deuxième cassette qui va sortir un peu plus tard. Et je vais vous montrer les 2 principaux mouvements que vous devriez pratiquer d'ici là pour être capable de les faire quand on va ajouter un enchaînement à ces mouvements-là. Alors, le premier coup de pied est un coup de pied marteau. On lève. Allez pas trop haut, c'est difficile. Donc, 1. Lève, descend, et on revient. Une autre fois, lève, descend, et on revient. Le deuxième mouvement est le coup de pied croissant, qui part de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, 1. Et on ramène. Une autre fois, 1. Et on ramène. Ça va bien, Meg? Reste dessus. Alors, je vous invite à le pratiquer d'ici la sortie de la deuxième cassette. Je vous remercie. Je remercie également toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Puis je vous conseille de prendre un peu l'air. Faites comme nous. Alors, Meg, tu viens? Viens-t'en. Alors, à bientôt, on lâche pas. Viens-t'en, viens-t'en, viens. Viens-t'en, allez. Si vous vous entraînez régulièrement, puis de façon régulière, puis totalement régulier, là, parce que ça va être certain. Alors, avec le Cardio Tae Boxe, vous vous entraînez, vous développez, développez. Ce qui m'a amené à développer la technique du Cardio Tae Boxe, ce sont les 25 pouces 3. Je me suis assuré, en développant cette vidéo cassette sur le Cardio Tae Boxe, que ce soit accessible, tu sais, dans le fond, dans le but de faire ce qui fait que tout le monde peut le pratiquer selon vos propres capacités et votre condition physique. C'est pas bon pas en tout. Oh. Shit que c'est l'enfer. Hein? J'avais la fly ouverte. 25 okay. Cents, c'est quoi donc? Ensuite, 3 genoux du même côté. Attends un peu. Meg, assis. Assis. Il commence à être vieux, ce chien-là. Pas couché. Je vous remercie. Lâchez pas. Je suis très fier de vous. Je remercie toute l'équipe. Et en attendant, amusez-vous. Ayez du plaisir. Prenez l'air. C'est ce qu'on va faire nous aussi. Alors, on se revoit bientôt. Bye-bye. Meg, viens. Viens. En attendant, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas lâcher. Je remercie toute l'équipe. Refaites la cassette, comme je vous disais. Ça, c'est pas bon parce que dans le fond, je répète encore 3 à 5 fois, puis c'est pas bon. Comme je le disais tout à l'heure, on va enchaîner avec d'autres mouvements. Pratiquez-les d'ici la sortie de la 2e cassette. En attendant, je vous remercie. Je suis très fier de vous. Lâchez pas. Je vous remercie encore une fois et je remercie tout le monde que je remercie. J'en remercie un paquet.